Le rallye de Sarlat, il l'avait gagné 11 fois et sa voiture, c'était celle de l'affiche. Dimanche, le pilote périgourdin Anthony Mora, 42 ans, s'est tué lors d'une spéciale de la 22e édition du rallye sur la commune de Manori. Il a perdu le contrôle de sa Peugeot 208 et est allé percuter violemment un arbre. Apparemment, il aurait mordu, la roue arrière droite aurait mordu un petit peu dans l'herbe, la voiture est partie à gauche et à droite et puis bon, il a tiré droit dans les arbres qui sont en face. De l'accident, le copilote Florian Moinet, 20 ans, est sorti indemne, mais très choqué. Anthony était connu pour être un homme charmant, restaurateur à Sénac, en Dordogne. Il pratiquait sa passion pour la course automobile depuis très jeune. Il avait acquis une centaine de victoires en rallye. Anthony, c'était quand même la grande classe, quoi. Quand il arrivait au départ d'un rallye, ses adversaires, ils voyaient sur la liste, ils disaient « Oula, ça va pas être facile, Anthony est là ». Ben oui, et puis il lâchait jamais le morceau. Suite à l'accident, la course a été stoppée. Une enquête judiciaire est en cours. Anthony laisse une femme et deux enfants et un grand nombre d'amis meurtris.